Voilà. Voilà de où on arrive. Voilà. Et il pousse bien le toy, hein, parce que tous les arbres étaient debout avant qu'on s'attaque à ça. Ouais. Mais c'était les vieux sapins. Alors, et puis le toy, il doit être quelque part en bas là-haut, parce qu'on l'a laissé aller sans nous. Voilà. Faut qu'on aille le retrouver, quoi. On va aller voir ça maintenant. Ouais. On l'a échappé belle. Oh putain, il était là. Ah merde. Bah, alors c'est qui est descendu avec nous par là? Il était vert aussi. Et, non, je sais. C'est pas l'ONF quand même. Ou alors je sais de quoi ça vient. C'est qu'il serait peut-être temps qu'on arrête ça. J'ai encore pas ouvert. Non, mais t'en as déjà descendu trois avant. Oh mon dieu. Ça c'est la faute à mon copilote. Il m'a dit vas-y ça passe. Oh, putain. Alors, petite séance de troyage. Et voilà. Tip top. Il suffit d'avoir les bons outils. Tu ravances, tu vas te foutre en vrac. C'est normal, j'ai toutes les bières sous le dos. Bon allez, j'en descends, je crois que c'est mieux. Attends. À mon avis, ça va faire du fouet. Étant donné qu'on a plus de sous-glace, on va laver le... Voilà. Et les fonds bleus. Je vais pas dire, mais un véhicule propre, c'est quand même important. Aïe, aïe, aïe. Bah encore un peu, j'étais en bas. Voilà, donc nous nous sommes arrêtés dans un endroit entièrement désert, très peu connu. Aucune civilisation n'est venue ici. Non. La crassette est naturelle. Voilà, regardez la nature comme fait bien les choses. Regardez ce petit muret. Magnifique. D'ailleurs, vous pouvez voir encore un homme de Cro-Magnon en action, en train de laver sa casserole. D'ailleurs, en fouillant un peu dans le sol, on a trouvé ça. Et voilà. Et on s'aperçoit que, eh ben, il y a quand même ce qu'il faut. Ça pousse partout. Ça pousse partout, cette merde-là. Et là, là, on a même attrapé du gibier, ouais. Cueilli de nos mains. Voilà. Cueilli de nos mains, du vrai, de la chance, du dans cet état-là, il court pas vite. C'est rare. Hein. Et il court pas vite. Bon, donc on a pu le choper. C'est une espèce protégée, alors on va la manger doucement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la forfouille? Bah, je crois qu'on a prévu beaucoup à boire, mais pas beaucoup à manger. Donc on va sucer ça. On va le garder. Va faire durer. Et puis voilà. On va le faire. Bon, Corinne, Rico est à écouter. Il sait qu'on est bientôt 1er septembre. Je me suis mis. Alors il a fait un effort. Voilà. Tu vois, il a bien séparé le jambon de la sardine du calendos. Il n'y a pas beaucoup de gras. Ça brille parce que c'est mouillé, c'est tout. Rien. Mais le calendos, c'est du basse calorie.
Par contre, je trouve que ça manque de Macédoine. Mmh. Ouais. Parce que... D'abord, un soupçon. Ah, tout à fait. Un soupçon de moutarde. Tout à fait. On va en mettre un peu. Mmh. Voilà. Voilà. Comme dirait ça. Maïté, ce n'est pas de la merde. Hein? Ah non, c'est pas de la merde. Hein. Attends, fourchette. Voilà. Un petit coup de Macédoine allégée. Ah oui, oui, elle est faite avec Avella Calvé. Avella Calvé. Voilà. Encore un petit peu là, parce qu'il n'y en a pas. De toute façon, voilà. Tu t'en fous, parce qu'en plus, tu bois du light. Ah oui, non, c'est light. Bah oui, hop. Tiens. Regarde. Tu vois, c'est de la sans alcool. Voilà. Et sans bulle. C'est d'ailleurs, on l'a puisé là-dedans. C'est au gaz naturel. Oui, oui. Non, attends, vaut mieux. À la source. Oh tiens, bon, d'ailleurs, bon il appétit, a surplus. Hein. Allez, bon app. Moi, où il est le mien? Il est là. Madame Renard. Il reste quand même ça, donc on va peut-être prolonger l'arrêt casse-croûte. On n'est pas parti. Hein. On n'est pas encore parti. Et comme je disais tout à l'heure, Haricot, vu l'heure qu'il est, il doit être midi et demi. Si on se dépêche bien, on peut encore être rentré pour passer à table à la maison. Donc on mange ça et on va aller manger. Ouais. Manger une baguette chacun. Eh ben, il faut la liquéfier. Donc, ça demande un sacré effort. À l'aise. Huble. Sans alcool. Sans alcool. Et dégraissé. Dégraissé. Ah oui, pour. Ah bah, je peux. T'as vu, je peux en avoir plein. Café de la mer Renard. Allez, braque tout vers moi. Voilà, redresse. Voilà, braque tout. Bon. Les aléas. Crevaison en plein bois. Donc, I lift. On a de la chance, on avait tout l'outillage. Tout l'outillage était là. Tout était là. Tout. Il nous manquait rien. Rien, on va pas le dire ce qui nous manquait. Rien, il manquait, c'était quoi? Même pas un brin de courage, puisque ça on l'avait. Bon, bah vas-y. Non. Reviens complètement. Non, c'est trop. Recule. Un peu moins, Chris. Voilà, un peu moins. Hop. Pas qu'on repasse la même. Hein. Doucement. Alors, qu'est-ce que vous pensiez de... Je vais, la nature. En plus, c'est ouvert. C'est ouvert. Bon, en tout cas, ça va être en avance, bonne croix. Une croix d'en bas. Moi, j'ai une d'avance. C'est vrai? Je t'ai niqué. J'ai fait le marathon, moi, pour trouver du réseau téléphonique. Il nous faut des téléphones cellulaires. Bientôt, la fête des pères, non? Répète-le fort, parce que là, elle pas bien entendu. La fête des pères. Téléphone cellulaire. Alors un petit passage, gentil. Hop. Alors là, un gros passage à gué. Là, si on n'avait pas le snorkel, merci les orties. Sans snorkel, tu passes jamais là. Yeah, il avait mis les balles. Get a rhythm when you get the blues.